Des trop grosses pierres là. Oh, j'ai failli me tuer là. Oh, je ratterrissais sur des pierres, mon gars. Oh, j'étais à deux doigts de me kill. Oh, vas-y, on continue. Oh, je trip. Oh la vache. Là, t'as des sensations, mon pote. Je profite de ce petit morceau de goudron pour vous dire que, en gros, c'est ma dernière sortie avec le 450 en super, en enduro, pardon. Parce que là, je vais refaire le moteur et la préparer pour le super mode. Ça va être lourd de ouf. Quand même à vous filmer ma dernière sortie avec le 450 pour cette année. Je sais pas s'il repassera en enduro parce que j'ai un petit projet qui arrivera d'ici quelques temps. Il va falloir être patient. J'ai quelques vidéos d'enduro en stock, donc il y aura de l'enduro jusqu'à fin avril, je pense. Mais du coup, voilà. 450 XC 2011 en enduro. C'était trop bien l'enduro avec cette moto. Malgré que ce soit un peu compliqué quand même, parce que ça reste à prendre avec un 4 temps, un gros 4 temps, parce que 4,50 c'est quand même super gros en fait pour l'enduro. C'est lourd et pour apprendre c'est pas le top pour apprendre, mais c'était vraiment trop cool, on a trop rigolé. Je l'ai balancé dans les arbres comme jamais, je lui ai refait la peinture, mon salaud. Je regrette pas du tout de l'avoir passé en enduro, même si elle est un petit peu marave et qu'il y aura des trucs à faire, mais bon, ça fait partie du jeu. Et voilà, donc c'est à ça que ça rime l'enduro, c'est à des vues comme ça. Ouais, ça c'est quand même un kiff. Et c'est pour ça que l'enduro, maintenant que j'ai goûté, ça fait maintenant depuis 6 mois à peu près que j'ai commencé l'enduro, donc pour la première fois de ma vie. Depuis, j'en faisais quasiment toutes les semaines une sortie, au moins. Et c'est un délire tellement ouf. Franchement, je vous conseille à tous d'essayer l'enduro un jour, si vous avez la chance d'essayer un jour dans votre vie. C'est trop le feu. L'enduro, j'arrêterai pas, ça c'est clair et net. Alors maintenant, forcément, le super mode, ça me manque. Et du coup, ben là, je vais commencer à la démonter dès demain. Et comme ça, j'ai un petit peu de marge, le temps de refaire le moteur, l'esthétique et tout, de la refaire belle. Je voulais vous dire aussi un grand merci, parce que c'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui maintenant. Je dis ça comme un mec qui a 1 milliard d'abonnés, mais je vous explique mon point de vue. C'est que maintenant, j'ai vraiment l'impression de parler avec des gens. J'ai l'impression que des gens me connaissent en fait. Via YouTube, bien sûr, pas dans la vraie vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui me suivent vraiment. Ils aiment ce que je fais et je trouve ça trop cool parce que du coup, ça fait une vraie petite communauté. J'ai 22 000 abonnés. Je sais que c'est énorme. Pour certains, c'est rien. Mais quand tu te dis que t'as 22 000 personnes qui se sont abonnées à toi, ça veut dire que 22 000 personnes ont kiffé ce que tu fais et ont voulu te suivre. Alors certes, dans les 22 000, il y a pas tout le monde qui te suit. Du coup, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui regardent plus mes vidéos. Enfin bref. Mais du coup, ça fait qu'on fait des vidéos. Je fais des vidéos maintenant qui ont 100 000 vues, des vidéos à 60, 80 000 vues. Mais c'est énorme en fait. Pour moi, c'est des chiffres qui sont trop ouf. Je sais que je parle beaucoup, je vous fais peut-être un peu chier, mais c'est des choses que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous parler un petit peu, que mine de rien, je vous parle pas beaucoup, et il y a quand même des gens qui me suivent sur Insta, dans chacune de mes vidéos, qui me parlent tout le temps, qui m'envoient tout le temps des messages. Je vois très bien qui vous êtes, je retiens vos prénoms, enfin vos pseudos plutôt, et en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui kiffent ce que je fais, et moi, ça me fait vraiment trop plaisir, et pour ça, je vous remercierai vraiment jamais assez. Pour moi, c'est vraiment une aventure qui a déjà bien commencé, mais une belle aventure qui promet dans le futur. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, c'était vraiment une belle saison d'enduro avec ce 450. C'est pas fini, rassurez-vous, il y en a une autre qui arrive très bientôt. L'enduro va reprendre. Je vous invite à continuer à me suivre, bien évidemment, sur Instagram aussi pour ceux qui me suivent pas encore. Donc, fullyride-yt. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus. Merci de me suivre, bisous. C'était Fullyride, et n'oubliez pas que c'est pour le show. Allez, ciao!